Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, le forum Chine-Afrique, le président chinois a annoncé être parvenu avec les dirigeants africains à un consensus visant à faire passer les relations sino-africaines à un partenariat stratégique global. Xi Jinping a fait cette proposition lors de son discours pour la cérémonie d'ouverture du deuxième sommet du forum sur la coopération sino-africaine de Johannesburg. Le sommet a approuvé la déclaration et les plans d'action de Johannesburg. Le président chinois a déclaré que ces deux documents représentaient un programme complet du développement futur des relations sino-africaines. Pour réaliser cette montée en gamme, les relations sino-africaines vont devoir se concentrer sur la mise en place des plans de coopération dans les domaines de l'industrialisation, du développement vert et des échanges interpersonnels. Xi Jinping a ajouté que la montée en gamme de relations allait injecter un nouveau souffle au développement complet des relations sino-africaines. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici à Johannesburg pour renouveler l'amitié sino-africaine sur le thème Chine-Afrique, progresser ensemble, coopération gagnant-gagnant pour un développement commun. Nous avons conçu un plan complet pour le développement des relations sino-africaines et la coopération pratique. Nous avons élevé les relations sino-africaines et rédigé un nouveau projet pour la coopération sino-africaine. Nous avons également eu des échanges profonds et étendus et sommes parvenus à un consensus sur les questions internationales et régionales d'intérêt mutuel. Tout ceci a donné un rythme nouveau et fort aux relations d'amitié et de coopération sino-africaine et fourni direction et garanties politiques pour apporter des normes plus larges et plus élevées à la coopération gagnant-gagnant. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré qu'en tant que pays ami, la Chine comprenait et soutenait le souhait de l'Afrique d'accélérer son industrialisation. Il a ajouté que la Chine avait la ferme volonté et la capacité d'aider les pays dans ce processus. Wang Yi a fait cette déclaration avec son homologue sud-africaine Maite Nkoana Mashabane lors d'une conférence de presse après la fin du sommet samedi du Forum sur la coopération Chine-Afrique à Johannesburg. Wang a déclaré qu'après avoir obtenu l'indépendance politique, les pays africains avaient désormais besoin d'une indépendance économique et de développer leur propre système industriel. Il a ajouté que la Chine renforcerait sa coopération avec l'Afrique sur la base de la non-ingérence dans les affaires internes et de consultations sur un pied d'égalité. La Chine a eu une bonne coopération dans la capacité de production avec les pays africains comme le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. La coopération industrielle a également été considérée comme une priorité dans les 10 programmes de coopération nouvellement annoncés. Après des décennies d'industrialisation, la Chine a accumulé une grande quantité de capacités de haute qualité, une technologie mûre et le soutien financier nécessaire. La capacité et la technologie de la Chine en particulier conviennent aux besoins actuels de développement des pays africains. La Chine peut fournir des biens de haute qualité et pas cher et une technologie. Donc nous souhaitons et nous sommes qualifiés pour être un partenaire idéal de l'Afrique dans son industrialisation. Afin de faire avancer les relations avec l'Afrique, le président Xi a également proposé 10 plans de coopération majeurs avec le continent lors de l'ouverture du sommet FOCAC. La commissaire de l'Union africaine pour les infrastructures et l'énergie a indiqué que les attentes sont grandes concernant cette collaboration. 10 plans sur lesquels la coopération Chine-Afrique va se concentrer dans les 3 prochaines années. Il couvre les domaines de l'industrialisation, de la modernisation de l'agriculture, des infrastructures, des services financiers, du développement écologique, du commerce et de la facilitation des investissements, de la réduction de la pauvreté, de la santé publique, des échanges de personne à personne et de la paix et de la sécurité. Afin de garantir leur succès, le président Xi annonce que la Chine a prévu de financer ses plans à hauteur de 60 milliards de dollars, une promesse applaudie par l'Union africaine. Je pense que la coopération de la Chine avec le continent africain est un grand pas en avant.
Nous avons signé l'accord MOU avec la Commission de l'UA et le gouvernement chinois pour le développement de trois réseaux routiers, ferroviaires et aériens, et les attentes sont élevées dans ces domaines. En plus de ce soutien financier, la Chine assiste l'Afrique avec des formations de jeunes talents et du soutien technique. Cette politique a aidé le continent africain à se constituer une réserve de talents. La commissaire Ibrahim dit qu'elle apprécie cette aide, spécialement dans les domaines de l'informatique et des télécommunications. L'expertise de la Chine est bien connue. Nos peuples peuvent en bénéficier. Il est important d'échanger les informations et les expériences avec les autres dans le monde. La Chine a promis de renforcer le développement tous azimuts de ses relations avec le continent africain. Avec ces 10 plans, les deux parties pourront jouir d'une coopération plus fréquente et plus profonde. Et en approfondissant la coopération entre la Chine et les pays africains, la productivité des entreprises chinoises a fait des avancées importantes lors de ces 10 dernières années. Parmi ces entreprises, Hisense, une des principales entreprises chinoises dans l'industrie des appareils électriques, elle a été reconnue et acceptée en Afrique du Sud, même si l'entreprise donne la priorité à son propre développement. Elle s'est aussi efforcée de créer une situation économique gagnant-gagnant en Afrique du Sud, en apportant un haut niveau de productivité et en sous-traitant plusieurs tâches à des entreprises locales. Hisense est arrivée en Afrique du Sud en 1994. Elle a mis sur pied le groupe Hisense et le fonds CAD. Maintenant, Hisense a 2 entreprises dans le pays, Hisense Fabrication Afrique du Sud et Hisense Holdings, qui adhèrent au principe de la technologie, de la qualité, de l'intégrité et de la responsabilité, en mettant l'accent sur la possibilité de redonner à la société d'accueil en misant sur le processus d'opération pour créer des profits. Selon l'évolution de la demande sur les marchés, Hisense a adapté ses produits et a présenté une chaîne de production plus avancée avec des normes techniques chinoises qui font évoluer l'industrie en Afrique du Sud. Par exemple, ceci n'est pas un distributeur d'eau. En réalité, c'est un réfrigérateur. Hisense a ajouté un distributeur supplémentaire d'eau sur ses appareils pour répondre aux besoins des Sud-Africains qui préfèrent boire de l'eau froide. Nous avons apporté de Chine la meilleure technologie pour soutenir notre chaîne de production en Afrique du Sud. Deuxièmement, les équipements sur notre ligne de production en Afrique du Sud sont équivalents au niveau de la Chine, même plus avancés que celui d'autres entreprises dans le même secteur. Le niveau d'industrialisation en Afrique du Sud affiche un certain retard en ce qui a trait à la production de réfrigérateurs et de téléviseurs. L'entreprise chinoise doit donc produire par elle-même certaines pièces de rechange en Afrique du Sud, comme cette bande de cachetage utilisée pour les réfrigérateurs. Avant que nous puissions établir notre usine en Afrique du Sud, la production dans le pays se concentrait surtout sur l'assemblage de télé et de réfrigérateurs. Nous avons amené notre système de production SKD parce que celui de l'Afrique du Sud était seulement basé sur l'assemblage. Mais après que Hisense a fait son entrée dans l'industrie sud-africaine, nous avons commencé à introduire notre processus SMT pour la main-d'œuvre. Quant à la production, le niveau de notre production est inégalé en comparaison aux autres usines dans le même secteur en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de la technologie? En ce qui a trait à la technologie, prenez simplement la production de téléviseurs, par exemple. Nous pouvons construire des téléviseurs de 32 à 82 pouces avec des écrans courbés. Normalement, la garantie sur les appareils électriques est de 2 ans en Afrique du Sud. Mais Hisense a décidé d'offrir une garantie de 4 ans en se basant sur la confiance que l'entreprise a en ses produits. Bien sûr, le message que nous voulons transmettre à nos clients est que la qualité de nos produits est garantie. Le contrôle strict de la qualité des produits de Hisense a non seulement changé l'impression des Sud-Africains sur le fabriqué en Chine, mais a aussi apporté des retombées à Hisense. Depuis que l'usine de Hisense s'est établie et a été mise en production en 2013, l'entreprise chinoise a réalisé la production annuelle de 400 000 unités de réfrigérateurs et de téléviseurs. L'année dernière, le chiffre d'affaires annuel de Hisense en Afrique du Sud a atteint 125 millions de dollars américains en vendant 260 000 téléviseurs.
Les ventes de téléphones portables ont atteint 70 000 unités et 280 000 ensembles d'appareils électroménagers, qui sont grandement appréciés par les consommateurs locaux, ont été vendus. Hisense s'est concentré sur la gestion locale depuis son arrivée en Afrique du Sud, y compris pour la production, l'administration, les ressources humaines et l'investissement. Hisense a créé 700 emplois directs et 3000 emplois indirects dans le pays. Pendant la mise en œuvre de sa stratégie de localisation, des efforts ont été mis pour s'assurer que les deux cultures dans le secteur de l'approvisionnement soient prises en compte. Cette réalité a permis aux employés sud-africains de reconnaître le modèle de gestion de Hisense et sa stratégie de développement. Les appareils électroménagers étaient très coûteux avant l'implantation de notre processus de localisation de la production. Après sa mise en place, les consommateurs ont pu bénéficier de prix plus bas. Deuxièmement, nous pouvons offrir des emplois et réaliser un transfert de technologie, ce qui est très important. Dans la zone Atlantis, où nous avons établi notre usine, le chômage avait atteint un sommet de 50% avant notre arrivée. Il y avait aussi plusieurs problèmes sociaux, de consommation de drogue notamment. Mais notre entreprise a pu offrir un grand nombre d'emplois pour que ces gens puissent travailler dans notre usine. Et les problèmes sociaux dans la région sont devenus beaucoup moins importants. L'Éthiopie véhicule parfois l'image de sécheresse et d'enfants affamés. Néanmoins, pour la Chine, le pays localisé sur la corne de l'Afrique est synonyme de commerce avec un gouvernement qui veut pousser son développement. Les entreprises chinoises offrent de multiples voies permettant de rendre la coopération économiquement plus attractive. Aujourd'hui, nous visitons une petite usine de cuir dans la banlieue d'Addis Abeba. En étant un responsable, Goitum n'a pas à travailler fréquemment dans les ateliers bruyants de l'entreprise de cuir Zhongfeiyang en Éthiopie. Ce garçon de 22 ans fait partie du management, car il est considéré comme un ami de la Chine en raison de sa parfaite maîtrise du mandarin. J'ai travaillé avec de nombreuses entreprises chinoises. Certains des employés viennent de la province du Sichuan. C'est pour cela que je parle chinois avec un petit accent chinois. Et je n'ai aucun problème de compréhension avec ce qu'ils disent. Plus de 90% des employés sont des locaux. La responsabilité majeure de Goitum est d'aider son directeur chinois à communiquer avec les employés. L'usine emploie près de 500 travailleurs et est l'une des plus importantes dans l'industrie du cuir. Elle a été largement saluée pour la quantité de devises étrangères qu'elle a apportées et a été récompensée à plusieurs reprises par le gouvernement local. Et les installations de traitement des eaux dans l'usine ont également été saluées. La mesure du niveau de COD dans l'eau venant de l'usine est bien plus bas que nos standards nationaux. Les standards dans le pays est d'environ 500 mg par litre. L'eau pure ici n'est pas dangereuse. C'est pour cela que chez nous, tout est dans l'ordre. Goitum semble heureux d'avoir trouvé un emploi dans une usine comme celle-ci, même si cela signifie être éloigné de sa grande famille. Je préfère ne pas parler de mon salaire, mais en effet, il est très élevé. J'ai 14 frères et une petite sœur. Je suis le seul à ne pas demander d'argent à mes parents, et je suis capable de payer la scolarité de ma sœur. Il y a environ 500 employés dans cette usine. Cette coopération sino-africaine dans le domaine du cuir parvient à traiter 2 600 000 pièces chaque année. Et cela ne constitue qu'une petite part par rapport aux matériaux bruts que l'on trouve localement. L'Éthiopie possède la plus importante industrie d'élevage d'Afrique. Mais les produits de l'industrie du cuir sont assez primitifs et les articles utilisables comme les vestes sont rarement fabriqués sur place. Mais un changement pourrait se produire, alors que l'entreprise Zhongfeiyang envisage de monter une nouvelle usine de fabrication de gants en cuir. Goitum aussi semble avoir de grandes aspirations. J'ai besoin de plus d'argent, comme ça je pourrais aller en Chine. On m'a dit que certains vêtements y sont fabriqués. Et comme je parle chinois et anglais, c'est sûr que je vais y aller pour y trouver de meilleures opportunités. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Nous reprenons avec la COP21. Les négociateurs de 195 pays présents à Paris pour la conférence sur le changement climatique se sont mis d'accord sur un pacte pour réduire le réchauffement de la planète.
Un projet d'accord sur le climat a été conclu. Après 4 années de pourparlers difficiles, les négociateurs de 195 pays ont finalisé un plan pour un pacte afin de réduire le réchauffement mondial. C'est une étape cruciale. Mais le projet est encore affecté par des centaines de questions non résolues. L'experte d'Oxfam de la politique sur le changement climatique dit que l'un des obstacles majeurs est encore la différence entre les rôles et les obligations des pays en développement et des pays développés. Ces questions portent sur les différents aspects des négociations, dont la hausse de l'ambition des réductions des émissions. Elles amènent les responsabilités dans la mise en place d'un soutien financier et c'est la question clé que les ministres devront apporter et résoudre durant les négociations de la semaine prochaine. Les discussions de haut niveau débuteront à Paris lundi. Les ministres du monde entier essaieront de transformer le projet d'accord contraignant. La Chine a exprimé sa frustration concernant le rythme lent des négociations, mais le haut négociateur sur le climat de la Chine a déclaré qu'il était confiant quant à un accord. J'espère que tout le monde ici jouera un rôle positif et un rôle constructif et aura plus de soutien la semaine prochaine afin de garantir une rencontre pleine de réussite. La délégation chinoise jouera un tel rôle. Nous nous coordonnerons activement avec les différentes parties. Étant donné les efforts faits par les gouvernements différents, nous sommes assez optimistes au sujet de la réunion. Mais alors que les discussions sur le climat entrent dans leur prochaine phase, des décisions plus difficiles devront être prises désormais. Et la proposition qui fait maintenant 21 pages consiste en 26 articles couvrant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les assurances pertes et dégâts, les finances, la technologie et la transparence dans les actions et le soutien. La proposition est une version allégée des 100 pages initiales rédigées à Genève en début d'année. Le chef négociateur Su Wei a indiqué que de grands progrès ont été faits depuis. L'attention se portera désormais sur la négociation de documents. Les plus grandes divergences se situent toujours sur les principes, comme la façon de s'attaquer aux problèmes communs, mais tout en différenciant les responsabilités. Comment mettre en place des systèmes de financement et comment adhérer au protocole. La prochaine étape se concentrera sur la négociation de documents, depuis que nous avons trouvé un consensus de base à ce stade. Et le résultat de la première semaine de travail servira de fondation. À la prochaine. Xie Zhenghua, le représentant spécial chinois sur le changement climatique, a rencontré Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, en marge de la COP21 à Paris. Le secrétaire général des Nations Unies s'est félicité de la déclaration conjointe sino-américaine sur le changement climatique émise en novembre, une déclaration qu'il décrit comme étant une avancée historique et une contribution majeure à l'effort planétaire pour lutter contre le réchauffement. Il a également déclaré que la déclaration franco-chinoise de septembre dernier avait permis de jeter les bases de la conférence de Paris. Ban Ki-moon a ajouté qu'il s'attendait à ce que la Chine continue de jouer un rôle positif dans les négociations. Xie Zhenghua a informé le secrétaire général de l'ONU sur les négociations menées cette semaine par la délégation chinoise. Il a rappelé la détermination de la Chine à chercher le consensus et à favoriser le succès de la conférence. Et une réunion sur le développement de l'énergie propre en Chine s'est tenue jeudi dans le cadre de la conférence sur le changement climatique des Nations Unies à Paris. Cela s'est déroulé au sein du pavillon chinois en marge du principal événement. Lors de la réunion, des responsables gouvernementaux, des représentants d'entreprises, des experts et des spécialistes venant du monde entier ont discuté de coopération en matière d'énergie propre et de développement économique. Les responsables du gouvernement chinois ont présenté leurs efforts en vue de réduire les émissions de carbone et de développer l'énergie propre. Ils ont également partagé leurs expériences visant à bâtir des villes tournées vers le développement écologique durable ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés. Ce qui se passe aujourd'hui est lié au fait que les gens passent trop de temps pour se rendre à leur lieu de travail. Les coûts des embouteillages sont très élevés. Ils tirent l'économie à la baisse. La pollution est vraiment très sérieuse. Et cela parce que nous avons mal conçu nos villes. Nous utilisons la mauvaise variété de carburant, la mauvaise forme de transport. Donc nous devons repenser tout cela. Et c'est ce que la Chine est en train de faire. La ville de Shenzhen a toujours encouragé les entreprises innovantes et mis en place des restrictions sur les entreprises fortement émettrices de carbone. Et nous faisons partie des premières en Chine à avoir établi des standards d'émissions.
les entreprises ne le respectant pas sont interdites d'exercer leur activité à Shenzhen, qu'importe leur contribution au PIB local. Le programme des protections des forêts naturelles que la Chine met en place progresse. L'abattage commercial dans les forêts naturelles sera définitivement interdit d'ici 2017. Il s'agit d'un engagement fort de la Chine envers la protection des poumons de la planète. Toutefois, les sociétés forestières vont devoir s'adapter pour survivre à cette interdiction. Le groupe forestier du Mont Shanghai, Seattle, comme nous allons le découvrir en images. Cela fait près de 30 ans que Shou Wenguang est bûcheron. Mais cette année, il a dû remiser sa tronçonneuse car l'abattage commercial des forêts naturelles a été définitivement interdit dans le nord-est de la Chine. J'ai été bûcheron toute ma vie. Qu'est-ce que je vais faire après l'interdiction? Comment vais-je gagner ma vie? Les bûcherons n'ont pas beaucoup d'éducation. Nous nous sentons trop perdus et incompétents pour nous en sortir seuls. Ces bûcherons connaissent les forêts comme leur poche. C'est pourquoi certains d'entre eux ont été embauchés comme gardes forestiers. Je veux devenir garde forestier car j'ai coupé tellement d'arbres par le passé. Maintenant, je veux protéger ces arbres et les garder pour les générations futures. Car l'activité de garde forestier ne suffira pas à une société dont l'activité principale consistait en l'abattage et la transformation du bois. Le groupe forestier du Mont Shanghai s'est vu attribuer 24 000 km² de forêt, soit l'équivalent de 80% de la Suisse. Il procède à une transformation de son modèle commercial et plutôt que d'abattre les arbres, il va tirer parti de ce qu'offre la forêt. Les industries vertes explosent. Ceci inclut la culture de champignons comestibles et médicaux dans la forêt. Les ouvriers fabriquent 1 million de sacs plastiques pour cultiver les champignons, en se servant de la biomasse des forêts. Les sacs seront distribués aux personnes vivant dans les forêts. Les ouvriers pourront faire pousser eux-mêmes des champignons et gagner plus d'argent. Et nous pourrons réaliser un chiffre d'affaires de 20 millions de yuan par an. Les zones forestières se voient de plus encouragées à développer le tourisme afin de créer des emplois au niveau local. Le lac Laolike est par exemple devenu célèbre pour ses paysages enneigés. La forêt ne sera ouverte au tourisme qu'en hiver afin de minimiser l'impact sur son écosystème. Les touristes, et en particulier ceux du sud de la Chine, se ruent sur ce monde féerique. Nous n'avons pas beaucoup de neige dans les villes. Nous sommes très contents de venir ici et je pense qu'il protège bien l'environnement. Je vais conseiller à mes amis de venir. La forêt reste la même, mais la mentalité des Chinois évolue. Les personnes vivant dans les forêts cherchent un nouvel équilibre avec Mère Nature. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue dans 1h30. Excellente suite de programme.